Kannst du doch. Most important organ for milk production. Biologists have long tried to simplify its design and add a tap to it, but in the end, they just copy the way it works from a live cow. You poop this. This may come in handy if you calibrate it correctly. Ouais, mais j'aimerais bien rentrer dedans, c'est pas par la compte. Ah ouais, comment je fais pour la tourelle là? Ça doit être casse-couille, je pense. Ah ouais. A modern space greenhouse. It's used on planets unsuitable for agriculture. It's useless for the liner and takes up a lot of space unless it's used for scientific purposes. The plants are dead. It's strange that this section is protected with weapons, seeing that the dairy products don't cost much.
The turret has noticed you. The doors are locked. These locks can only be opened with a special tool from outside. Or, alternatively, they can be broken. You are good at doing that. Biologists tried to make synthetic cows adaptable to independent growth and grazing, and therefore jelly-like specimens without any bone structure did not do well. You must unlock the doors. Je peux déverrouiller les portes. Je sais pas comment les déverrouiller. There's a turret somewhere near. Ah, explosif, ok. Donc on va aller faire des explosifs grenades là. Ça marche. J'ai été voir ce qu'il y avait en bas. I will mark it. You failed to assemble a table consisting of 10 parts according to the blueprint. Someone has taken away your title of Master Engineer. La bouffe de la flotte. Excellent. On va mettre du carburant, tout ça, je vais. On avait dit qu'il fallait quoi? Ah, des explosifs. Il va falloir un inducteur, non? J'ai aussi un analyseur de sol, vrai jardinier pour faire des structures, des plantes, une grenade à bœuf pour faire sauter le verrouillage, parfait, je peux en faire une autre, allez. Boulette de bœuf du biocarburant. On va faire ça aussi.
fait. On mange, on boit. Est-ce que j'ai ça sur moi? Parfait. Parfait, parfait, parfait. Ça en fait des points. Du coup, là-bas, c'est des explosifs normaux qu'il faut. J'ai pas fait le truc de la navette, là. Laver la... c'est la navette. Est-ce que là, c'est le... Peut-être voir par là. Magnetic anomalies detected. There may be some breakdowns in the work of complex equipment in this area, therefore the Breath Edge Company assumes no responsibility for the behavior and performance of the Futurary spacesuit, although I doubt I may have any problems. Pores. Turbines of this size and design were usually installed in old space stations. I will mark it. Children again. Of course, I hope they manage to escape through this jam-smeared hole. Yes. This shit. Ça je peux pas scanner. Ok. Ça j'ai été voir. Ouais, je crois. Je me perds moi le nom. Là il y a ma navette. Je vais me faire le tour de là. Attends. Je vais voir là-haut là vite fait. This is an energy core of the Breath Edge Company. I don't know who transported such technologies on the liner and for what purpose it was done, but now it's easy to explain the presence of electromagnetic anomalies. By the way, I don't recommend turning off the active core, it will most likely lead to unpleasant consequences. Wow. Je suis pris des coups. Je peux pas. Nouveau plan du grattoir. Je voulais lui couper le jus.
fait mal. Hein. Il y a des trucs. I wonder, if he hadn't poured soap over his suit, would he have survived? Okay. All these coffins belong to the batch from the year 2020. This was the golden age of the Breathedge Funeral Agency, but it's unclear what these old coffins are doing among this debris. So this is where they're buried. Okay. The posters of the Breathedge Company are always very life-affirming. This debris clearly doesn't belong to the liner, as it is made with outdated technologies. If you look at the spaceship's debris in the distance, we can assume that the liner didn't just explode, but it initially crashed into an unknown spherical structure, the debris of which we can see now. Putain, j'ai pas la grenade encore. Des explosifs. What are the liner's public toilets? These don't look like standard filters. According to the blueprints, this is a handmade eavesdropping device. Someone is trying to get confidential information in a rather twisted and not quite legal way. Headphones built into the Breathedge Company spacesuit are much better. Thank you.
Solar panels are not used on high-speed spaceships. These parts are definitely not from the lighter plating. Looks like the panels are still working. I wouldn't fly up to them if I were you. Open to the best part. Grandiose construction has not yet been completed due to serious financial and ethical problems, or perhaps because of its complete uselessness. J'ai toujours pas trouvé des explosifs par contre. Là-bas c'est radioactif. Grenade EMP. Au lieu de la grenade à bœuf. Et j'ai eu un grattoir. Qui me prend un conducteur.
Let's go. Aïe. Ça va être mieux. Alors, on va bouffer. Est-ce que je peux faire un casseur? Parce que j'en ai plus. Non. Du métal. J'en ai pas là-dedans. J'ai de la bouffe. Ok, on est pas mal là, on n'a plus qu'à aller mettre les explosifs. Ah voilà. On a bien fouillé quand même là. On retournera à notre base, fabriquer des trucs. De toute façon, il y aura d'autres trucs à faire par là-bas, à partir de la base. C'était vraiment pour fouiller là. Après, il y a trop de radiation, donc on sera obligé d'avoir une meilleure combi. Ça le fait. Module. On a bien fouillé là. Non, non, faut vraiment. Le truc, il faut vraiment qu'il s'appelle explosif, putain. Ma mob, elle est où? On retourne à la base. Oxygène. Ensuite, faut que je voie de toute façon lancer la navette. Fuck.
va faire rapide avec le truc. Je retourne à ma première base. On va venir au point, je pense qu'on trouvera les explosifs. Bienvenue à la maison. Ou la vie là-dedans. Oh, je sais plus où c'est que je fais, c'est de la vie. J'ai à laisser des trucs partout. Alors, qu'est-ce qu'on avait gagné en construction? On a pu gagner des trucs. Et on va mettre ça là. Et ça là. Qu'est-ce qu'on a? Les panneaux solaires. Les toilettes. Et une grande fenêtre. Table de recherche, on a fait. Et l'interphone. Et là on a des trucs cloisonnettes pour les toilettes. Des lampes. Ok. Ok, ça je crois que c'est un truc pour fabriquer. Et c'est un truc pour scanner. Ou prélever. Ok. On a eu plein de trucs. Je m'esquisse, accroche. De meubles. Tout ça, ça sera quand je fais des meubles. Ah, c'est bien. Là. Pas plus beaucoup d'oxygène, moi, du coup. On va aller visiter autre part maintenant. Une batterie du titane. La vie, je crois qu'il y a en bas. Thank you.
ça devrait faire. C'est du métal qu'il me faut. On va partir par là après là. Par là. Si j'avais le truc là-bas là.
I don't even know if he was either trying to plug the potato into the generator or power the generator from the potato. Bah, mon bonhomme, t'as bien grillé. What a strange place, but maybe we can find something useful here. Des conteneurs ici. J'en ai plus, donc on va retourner à la base de toute façon avant de faire d'autres trucs. Et c'est bizarre là qu'il me... Qu'est-ce qu'il va faire là? Après on ira là-bas là. On va refaire un casseur, plusieurs, de l'oxygène. Préparez bien pour l'expédition. On va aller chercher du métal.
Un casseur. De la résine, je vais en avoir dans l'autre. J'ai du verre plastique. Métal. On va aller chercher métal et résine. Ah mais j'ai pas de casseur aussi. Bon. Être pas mal.
retrouve avec une valise là pour ranger tout ça. C'est pas du steak. Métal affiné. Oh, je suis content. Qu'est-ce que je peux ranger là-dedans? Ça, ça, ça. Ok, on va aller rechercher. Du métal affiné, du métal. C'est parfait. Parfait. On est bien là. On va continuer par là-bas. Là. Sur une petite table. On va pouvoir poser des trucs comme ça. Un banc.
Merde. On peut faire un piano, on va faire une chaise, se poser. Peut faire une petite lampe. Un piano. Piano, on va pas ça. On fera plus tard. Parce que la vache. On va faire une lampe. Pas mal là. On va pouvoir poser nos petits trucs et tout. Quoi, c'est une fenêtre aussi. Et d'autres trucs. Je vais continuer après. Là déjà, construction.